Bonjour, Monsieur Lansana Kamara. Bonjour. On rappelle que vous êtes le tout nouveau ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Et pour commencer, comment vous avez accueilli cette bonne nouvelle? Eh bien, j'ai bien accueilli cette bonne nouvelle, comme pour tout bon patriote, quand on est appelé à servir la nation. Je crois que c'est un honneur, c'est une joie. C'est pourquoi je profiterai de votre antenne pour remercier le professeur Fakonde, le président de la République, pour cette marque de confiance. Et pour aussi dire que, Inch'Allah, s'il vous plaît à Dieu, je ferai tout et avec mon équipe, nous nous battrons pour être à la hauteur. Ce gouvernement était attendu de plein pied par les Guinéens. Quelle sera votre mission? Eh bien, notre mission, eh bien, Les priorités, justement. je crois que nous aurons une feuille de route et le moment venu, nous allons dérouler nos priorités. Donc, pour le moment, on dit bien que c'est le terrain qui commande le soldat. Si nous serons, le jour que nous serons sur le terrain, nous allons voir quelles sont les orientations qu'on nous donnera. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout est priorité pour le moment. Et justement, il y a une crise sociale aussi qui est en vue. Et quel sera votre rapport dans ce sens-là? Eh bien, nous sommes là, nous sommes choisis pour ça, nous allons nous impliquer pour vraiment obtenir un dénouement heureux dans l'intérêt de tous les Guinéens. Donc, je crois qu'il n'y a pas de débat pour ça. Je ne ferai pas de débat autour de ça. Et une fois que sur le terrain, nous allons prendre le taureau par le corps pour pouvoir nous en sortir. Et je fais confiance à tous nos partenaires. Je fais confiance à tous nos compatriotes pour que vraiment la tâche se soit facile. Un dernier mot. Voilà, le dernier mot, encore une fois, je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette grande marque de confiance, en me confiant ce grand département. Et j'espère qu'avec les bons collaborateurs, nous pourrons vraiment relever le défi et dans l'intérêt de nous tous. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.